Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul, un retour de chez DM, dont je reviens tout de suite. Alors, je vais vous présenter tout de suite, j'y suis allée essentiellement pour aller chercher de la litière pour mon chat que vous avez vu dans une de mes vidéos précédentes. Donc je prends cette litière, c'est de la litière agglomérante. Moi j'ai toujours préféré la litière agglomérante plutôt que la végétale ou les autres. Je trouve ça beaucoup plus facile à changer régulièrement, je trouve que c'est bien pour les odeurs. Donc vraiment, je prends toujours celle-ci, la classique de chez DM. J'ai également pris des mouchoirs, ce sont des mouchoirs recyclés. Bizarrement, même si ce sont des mouchoirs en papier recyclé, ce sont les moins chers que je trouve au DM. Donc ça me va très bien, voilà, c'est ce que je prends. Ensuite, j'ai bientôt terminé mon shampoing. Du coup, j'ai repris un shampoing. Donc moi, j'ai les cheveux blonds, j'ai les cheveux colorés. Ils ont tendance à être très secs. Donc j'ai pris ce Botanic Therapy, lait de coco et macadamia pour les cheveux justement secs. Je ne l'ai jamais testé, mais j'aime bien cette gamme. Il sent très très bon, donc j'espère qu'il sera bien. Et j'en ai repris un deuxième aussi comme celui-ci. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, la coiffeuse m'avait conseillé de changer régulièrement pour ne pas que le cheveu s'habitue. Donc j'ai pris celui-ci. J'avais déjà pris l'après-shampoing comme ça pour les cheveux qui ont tendance à tomber. Et c'est mon cas. J'aime bien. J'aimais bien l'après-shampoing. Du coup, je vais essayer cette fois le shampoing. Je sais qu'il y a aussi les sprays qui existent, démêlants. Je pense que je les essaierai après. J'ai également repris un dentifrice d'avance, plutôt pour la réserve. Donc c'est un dentifrice ayurvédique, plutôt aux plantes. J'aimerais bien trouver quelque chose d'assez naturel. Écoutez, on verra s'il est bien. Je ne le connais pas du tout. Le packaging m'inspirait, mais bon, les packagings, c'est pas toujours, la vérité. La dernière fois, je vous avais aussi présenté un collant opaque que j'avais pris en 70. Je vous avais dit qu'il était en 42-46 ml. Il allait parfaitement bien. Donc, j'ai repris le même parce que j'avais qu'un collant comme celui-ci. Et pour pouvoir faire un roulement, j'aime bien me mettre en jupe ou en robe, même pendant l'hiver. Je suis super contente. J'ai retrouvé une crème à la pistache. La dernière fois que j'étais allée chez DM, il n'y en avait plus. Et là, il n'y en restait qu'une. Alors, c'est une pâte à tartiner à la pistache. Je n'avais jamais goûté ça avant d'être ici à Sarajevo et avant de découvrir DM. J'ai trouvé une recette il n'y a pas longtemps pour faire un cake à la pistache, justement, où il faut de la crème à la pistache. Donc, je vais utiliser celle-ci. Elle est vraiment très, très bonne. C'était la seule. J'espère véritablement qu'ils vont en refaire dans les prochaines semaines, qu'il y en aura de nouveau dans le DM. Le café, celui que j'avais déjà présenté la dernière fois, l'expresso, il n'y a toujours pas le café classique que je prenais d'habitude. Du coup, j'ai repris deux paquets parce que c'est 250 grammes et nous, à la maison, on en boit beaucoup. Donc, j'en ai repris deux. Il est très, très bien. Il n'est pas si fort que ça. Et enfin, dernière chose que j'ai prise, donc les bonbons type Ricola au citron que j'avais déjà présenté la dernière fois. Voilà, donc c'était un mini retour de chez DM. Pour le total, j'en ai eu pour 59 marques, ce qui correspond à environ 30 euros. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt !